Eh bien, bonjour à tous amis passionnés, une petite vidéo sur les girolles hein, qui fait suite à celle euh, que j'ai faite l'an dernier où je parlais du biotope et du bon moment pour aller cueillir la girole. Cette vidéo-ci m'a été inspirée par un mail que j'ai reçu il y a de ça quelques jours. Alors après le générique, je vous, je vous le lirai et je vous exposerai euh, mon point de vue sur le sujet en vous donnant des conseils. Ensuite, je vous donnerai quelques anecdotes me concernant à propos de mes places à girolles. Cette vidéo est un préquel à la prochaine, hein, celle qui sortira normalement demain, où on partira ensemble prospecter différentes forêts à la recherche de cette merveilleuse petite pépite dorée. Je vous lis donc le mail de ce monsieur, père de famille, qui tente de trouver des girolles. Bonjour Florian, n'ayant pas Facebook, je me permets de t'envoyer un mail. J'habite. Euh, hein, et j'essaie de trouver des girolles le dimanche matin avec ma femme et mes deux filles. Malheureusement, je ne trouve rien. Tout est sec, j'ai beau regarder sur les cartes de Géoportail pour trouver des terrains acides, mais rien n'y fait. Alors, je me suis posé la question si ce n'était pas mieux d'en chercher plus haut, car les dernières sorties. Car les dernières sorties, je me suis retrouvé à en chercher à environ 400-500 mètres d'altitude. Penses-tu qu'il serait préférable d'en chercher plutôt vers 1000 mètres, là où le terrain risque d'être un peu plus humide et moins souffrir de la chaleur? Mes filles, du coup, sont limite dégoûtées de venir avec nous ne trouvant rien. Merci encore mille fois pour ton travail et tes vidéos. Pour ma part, bla, je suis Carlo enfin, il parle de mon carrelage. C'était la vidéo qui faisait suite euh, à une des précédentes où je parlais de, de mes travaux. Ce mail m'a en fait toqué hein, parce qu'il me parle d'une part car j'ai moi aussi été un enfant confronté de nombreuses fois à l'emmerdement voire presque au dégoût lorsque mes parents tentaient de trouver des places à champignons quand j'étais petit mais aussi parce que j'ai également deux enfants et que j'ai déjà eu la réflexion sur le moment propice pour les amener avec moi aux champignons sans les dégoûter. Bon pour l'instant la question dans mon cas est totalement en suspens car ma femme n'est pas trop rassurée que je les emmène avec moi en forêt à cause des tiques. Il faut dire effectivement que l'an dernier lorsque j'ai amené ma fille trouver sa première morille, ma femme a retrouvé une tique à l'intérieur de son oreille, hein, là quelque part, une semaine après. Alors il était évidemment très bien caché, on ne l'avait pas vu et il était devenu énorme hein, et donc effectivement pas très rassurant quoi. Alors ensuite parlons de ces giroles en elles-mêmes. La variété qui pousse actuellement et de manière générale en début d'été à partir du mois de juin jusque début août à peu près est la girole pruineuse appelée aussi la girole palance. Cette variété est la plus active de toutes, hein. elle est beaucoup plus rare que sa cousine, la girole classique Sibarius. Hein, bon, sa rareté, c'est sans doute juste dû au fait qu'elle pousse au moment où le risque de sécheresse et de grosse chaleur sont les plus élevés, hein, alors que la girole Sibarius se montre à la fin de l'été jusqu'en automne, donc là où les chances de pluie sont évidemment maximum. Bref, de ça, j'en sors le premier conseil de ma vidéo. Allez toujours prospecter la girole au beau moment, hein, quand la météo est idéale à 15 jours après une pluie si le sol n'est pas redevenu trop sec. Second conseil utilisez les réseaux sociaux. Euh, N'hésitez absolument pas. Facebook avec ses groupes, euh, ses nombreux groupes dédiés aux, aux champignons. Instagram avec quelques profils réservés aux champignons, mais aussi YouTube avec maintenant beaucoup de gens qui se sont lancés euh, dans la vidéo. Hein. Des personnes sur YouTube qui viennent d'un peu partout de de la francophonie. Hein. Grâce aux réseaux sociaux, vous pourrez en fait savoir s'il y a des girolles qui sont sortis dans votre département ou ceux limitrophes. Moi, par exemple, je viens du sud-est de la Belgique et donc donc je suis évidemment attentif aux publications de gens venant de la Wallonie, du département 54, 55, voire même du 08. Troisième conseil, si vous êtes vraiment novice, n'hésitez hein, pas à aborder les gens que vous rencontrez et qui sont susceptibles d'être aux champignons. Ne vous planquez surtout pas. Vous n'avez rien à cacher, mais tout à apprendre. Moi, lorsque je vois du monde ou entends du bruit, évidemment, je me planque parce que je n'ai plus rien ou presque à apprendre. Et je n'ai pas envie qu'on découvre mes places, ça c'est sûr. Mais si vous n'êtes pas dans cette position, n'hésitez hein, pas à aborder les gens. Il y en a toujours qui vont parler et qui vous diront si oui ou non il y a des giroles dans le coin et en quelle quantité. Parlons maintenant des enfants hein, et même de nous les adultes. Hein. C'est évidemment extrêmement frustrant de partir en quête de champignons et de ne rien trouver. On finit par vite désespérer et limite s'emmerder. Hein. Surtout les enfants pour lesquels il faut constamment de l'action. Moi je me souviens quand j'avais 6, 7, 8 ans et qu'on galérait en forêt. Ouais, hein. Au bout d'un moment à ne rien trouver, bah, bah je devenais fou. Hein. Il me fallait de l'action absolument. Donc du coup, euh, soit je courais partout, euh, soit je euh, des batailles de pommes de pin avec ma sœur, ou alors je prenais un bout de bois et je jouais au golf avec des champignons en les éclatant. Alors ça énervait évidemment mes parents hein, qui m'engueulaient euh, comme pas possible quoi. Et donc, moi j'ai une bonne solution en fait pour ça. Hein. C'est mon quatrième conseil et, et c'est ce que finalement mes parents ont fini par faire. Hein. Alors, non, il ne s'agit pas d'attacher vos enfants avec une laisse, hein, je, je vous rassure absolument. Mais simplement donner des objectifs supplémentaires à, à votre journée de champignons. Alors, certes, le but principal est de dénicher des places, hein, mais dans notre cas, on avait aussi d'autres activités complémentaires qui allaient nous garder en action tout le long de la journée. Par exemple, aller aux fraises des bois aux myrtilles, aux framboises trouver des lieux sympathiques à prendre en photo dégoter un insecte insolite, insolite pour l'immortaliser, hein, comme vous le voyez ici euh, sur la photo que je passe trouver des boîtes de serre, enfin bref on avait un tas d'objectifs comme ça qui faisait qu'on n'était jamais frustré parce que si on ne ramassait pas de girolles, hein, on avait quand même des fraises ou d'autres choses euh, à se mettre sur la dent ou, ou à s'occuper. Ensuite ne vous fiez pas aux énormes quantités euh, trouvées que certains peuvent montrer euh, sur Facebook ou même moi ici sur ma chaîne YouTube. Hein. Si parce que je trouve 9 kilos sur une matinée et vous pensez que vous allez euh, tout de suite faire pareil alors que vous débutez, c'est pas possible, hein, il, il faut pas rêver. Hein. Donc ne soyez pas frustré si vous trouvez euh, 200 g de girolles alors que d'autres font état d'une table entière remplie de girolles. Je pense que vous ne devez pas vous comparer à des gens comme ça. Je prends par exemple mon cas hein, au niveau girolle pruneuse, je parle bien de girolle pruneuse, hein, pas les autres. Hein. Ce que vous voyez en fait sur ma chaîne YouTube, c'est chaque fois le résultat de trois places. Vous voyez dans mes vidéos, je parle toujours de première zone, de deuxième zone et de troisième zone et je montre à chaque fois mes paniers. Alors en fait, ces trois places, hein, énormes places, hein, qui sont les seules qu'on exploite euh, avec mon coéquipier, car euh, en fait, on y trouve largement assez. Hein. Alors, nous avons également une quarantaine d'autres petites places où on ne va presque jamais. On va dire, on va dire 45 places au total. Alors, ces 45 places, c'est en fait, c'est le résultat de la prospection de mon oncle Bill, qu'on on, on appelle Bill, sur plus de 40 ans, mais aussi le résultat de, de mes parents avec moi sur une période de 20 ans et aussi mon résultat en solo ou avec mon coéquipier sur une période de maintenant à peu près 12 ans. Alors du coup, ça fait un paquet d'années d'expérience. Hein. Moi du coup, j'ai hérité de toutes ces places et je vous montre sur ma chaîne YouTube le meilleur du meilleur des résultats de plusieurs personnes sur plusieurs années. Hein pouvez donc pas vous comparer euh, avec euh, avec mon cas hein, et ensuite être frustré parce que vous en trouvez moins. Hein. Vous savez quand j'étais petit, je me souviens de mes parents mais heureux mais, mais quand je dis hyper heureux, ils sautaient au plafond comme pas possible avec quatre girolles. Hein. Ça c'est la réalité hein. C'est c'est la réalité de ceux qui débutent. Et en plus, je vous garantis qu'avec mes connaissances et mes années d'expérience, il m'arrive également de faire des journées de prospection où je ne trouve rien strictement rien. Hein. Alors c'est normal, les girolles ne poussent pas partout. Ça serait évidemment trop simple. En plus, ces meilleures places qu'on exploite actuellement, eh bien, je, je vais vous dire comment, je vais vous raconter comment elles ont été trouvées. Vous allez être vachement surpris, car ce n'est pas le fruit d'une grande réflexion ou d'un énorme niveau au girolle, mais plutôt euh, du, du, du hasard total. Je vais vous donner cinq anecdotes parce qu'en fait, nous avions eu au cours de nos vies cinq grosses places à girolle pruineuses. Et il nous en reste trois parce que deux d'entre elles ne donnent plus parce que les arpes, les, les arpes mycorhizées ont, ont tous été coupées. Hein. Ma toute première anecdote va illustrer en fait le troisième conseil de cette vidéo hein, qui est de parler avec un maximum de, de, de gens, de chercheurs de champignons, surtout quand vous êtes novice. Hein. Il va concerner hein, une de mes places actuelles à girolle Pruneuse. On y va encore. Hein. Alors Dans mes vidéos, euh, je la présente souvent comme étant ma troisième zone. Hein. C'est toujours à cet endroit-là qu'on qu termine la journée. Donc, il y a de ça, euh, je vous parle, ça à plus de 30 ans, hein, mon oncle Bill euh, discutait avec, euh, avec une personne qui, qui allait aux champignons. Et, et cette personne lui dit Écoute, Bill, euh, toi qui aimes bien les piles moutons, moi, ce pas trop mon truc, je te conseille d'aller à tel endroit. Euh, il euh, y en a pas mal, hein. c'est une bonne forêt à pied de mouton. Bon, ben, écoutez, très bien, mon oncle n'ayant pas de voiture, il, il nous contacte, hein, mes parents, et du coup, je débarque avec mes parents, moi j'étais tout petit évidemment, et euh, on prend mon oncle et on va sur la place indiquée par, par le gars. Et, euh, et voilà, et donc euh, bah, le temps qu'on se gare et que ma mère m'apprête, parce que j'étais tout petit, mon oncle était déjà parti dans la forêt et on entend gueuler Ah, des girolles, des girolles, il y en a partout Et, euh, et effectivement, euh, il y avait des girolles, une tache énorme de girolles, et on a fait tout le bois et on a trouvé des girolles et des girolles, pop, 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 un truc de malade. Alors on a effectivement aussi trouvé des pieds de mouton, donc le gars nous avait absolument pas menti, on a trouvé également des, des trompettes de la mort, mais plein. Mais voilà, mais voilà, les, les c'est et du coup, bah, c'est devenu, c'est devenu un, un bois à girolles, On, on, on va même pas au pied de mouton là, parce qu'on a d'autres places qui donnent mieux. Pareil pour les trompettes de la mort, mais c'est devenu un de nos principaux euh, bois à girolles, hein, qui a été référencé par quelqu'un comme, comme étant un, un, une forêt à pied de mouton. Je pense que si le gars, si, si le gars savait, euh, <laughs> il nous ne jamais dit, euh, nous aurait jamais donné l'emplacement. Ça, c'est sûr et certain. Deuxième anecdote, elle concerne une place euh, bah, qui ne donne plus en fait, parce qu'ils ont coupé l'arbre principal hein, qui donnait euh, 4-5 kg de girolles euh, chaque année, un truc de, totalement incroyable. Donc euh, bah, là, elle a été trouvée il y a, il y a quelques années, enfin il y a quelques années, il y a déjà plus de 20 ans, par mon oncle et, et mon coéquipier beau-père. Beau, beau hein, il revenait de cette fameuse troisième zone, celle de, que, que je vous parlais précédemment. Il revenait, hein, donc entre la place et, euh, et, et chez mon oncle. Et à un moment donné, bon, mon beau-père y conduit la, la, la voiture et mon oncle il regarde toujours à gauche et à droite dans l'espoir de, de, de trouver des champignons intéressants. Et, et mon beau-père conduisait comme ça sur la route. Et à un moment donné mon oncle lui dit eh, Pascal, -toi ⁇ Hé Pascal arrête-toi, une tache jaune !⁇ Bon, ben, très bien, il s'arrête, il fait demi-tour, enfin, il fait marche arrière. Et, et là, sur euh, <laughs> le bord de la route, ben, voilà, une grosse tache de girolle. Et euh, incroyable, un truc de, de, de fou. J'ai essayé de chercher la photo sur mon PC, je dois la voir quelque part, mais mais, euh, mais voilà, j'ai cette photo du moment où, où ils ont trouvé cette place à Girol. Mon beau-père avait pris un appareil photo à l'époque, mais je la trouve plus Je la trouve plus sur mon PC, elle doit être quelque part, mais, mais voilà, et on voit effectivement mon oncle tout heureux dans, dans sa tâche de, de, de Girol, totalement incroyable. Et pendant des années, bah, ils en ont chaque année ramassé 4-5 kilos sur cette place autour de cet arbre bah, qui est maintenant malheureusement coupé donc euh, donc on a perdu cette place à tout jamais quoi Mais vous voyez encore une fois euh, le fruit du hasard quoi ils rentrait simplement à la maison et paf sous le chemin alors qu'ils étaient passés euh, des années et des années ils passent chaque fois chaque année par le même chemin et ils n'ont jamais vu cette tache et là euh, et là bah voilà euh, de manière totalement hasardeuse et fortuite bah, vous voyez vous tombez sur une excellente tâche à Girol. Troisième anecdote, et celle-ci, elle me concerne puisque c'est moi qui ai trouvé la place il y a à peu près 10-11 ans comme ça. Donc il y avait, il y avait mon oncle Charles, hein, pareil, qui n'a pas de voiture et, et, et qui me demande Florian, j'ai commandé des, des, des pneus sur eBay ou je ne sais plus quel site internet, euh, est-ce que tu peux m'emmener en province de Liège, euh, euh, les chercher s'il te plaît bah, Je dis Bah oui, Charles, il n'y a pas de souci, euh, on y va et après on. On ira soit au champignon, soit de pêcher sur l'ourte, peu importe. Finalement, on a fait les deux, mais, mais voilà quoi. Et, et donc, on va comme ça chercher ses pneus et après, on va un peu pêcher sur l'ourte. Et puis, en fin de journée, on se dit, on, se dit ben, on va un peu aller voir au Girol. Et donc, on choisit un bois comme ça, totalement au hasard. Et, et on marche, on marche, on marche, et, et on trouve rien. Pourtant, le bois n'était pas mauvais, hein, franchement pas mal, quoi. Et à un moment donné, on n'avait pas encore les GPS et tout ça, et à un moment donné, on se dit, waouh, ouais, il est déjà, il est déjà 8 heures, va bientôt faire noir ici, euh, il serait temps de trouver no no notre chemin. Et donc on a commencé, euh, voilà quoi, on a d'abord retrouvé un chemin, un chemin, une forêt, et puis on l'a suivi à gauche, à droite, on ne trouvait pas la voiture, enfin bref, mon oncle était super inquiet, j'ai jamais vu mon oncle inquiet comme ça, bon moi j'en avais euh, plus ou moins rien à cirer, euh, dormir dans la forêt c'est pas ça qui me dérange, mais, mais voilà quoi. Alors lui il était là à cou cou courir sous le chemin pour essayer de trouver le, 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 le bon truc, et moi j'étais euh, à côté du chemin, euh, dans le bois quoi, parce que bon, euh, chercher des champignons sous le chemin... Euh voilà quoi. Et, euh, et donc, bah lui, il était méga stressé et moi, je trouvais des girolles comme ça. Quelques girolles par-ci, par-là, et je les prenais comme ça dans, dans, dans mon t-shirt. Et, et lui, il prenait évidemment à chaque fois de l'avance, le temps que je cueille, à chaque fois je courais pour le rattraper, hey « et Charles, j'ai des giroles, j'ai des giroles !» Et lui, il n'en avait absolument rien à cirer, parce que le seul truc qui, qui, qui le souciait, c'était de, de trouver la, la, la voiture, vraiment, il n'en avait rien à cirer. Quoi. Et, et moi, je ramassais comme ça des, 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 des giroles, et, et, et je pense que chaque fois, lui, euh, je prenais un peu d'avance, je ramassais les giroles, puis il en avait de l'avance, et je le rattrapais à chaque fois. Et, euh, et on a fait ça, en fait, finalement, on a fini par trouver le chemin et, et, et on est parti. Et dans la voiture, on discute de tout ça. Je dis, bah, écoute, Charles, eh, ça fait quand même pas mal de girole le long du chemin. Mais lui, il était toujours dans son esprit négatif. Ouais, non, ce bois est merdique. Je crois que c'est parce qu'il s'était perdu qu'il <laughs> s'est dit que le bois est merdique, qu'il ne reviendrait plus là. Enfin, bref, moi, ça m'est resté dans, dans la tête. Et, euh, et le lendemain, je téléphone à, à ma mère et je lui dis, écoute, on a quand même trouvé avec Charles un bon bois Girolle, lui veut plus y retourner pour le fouiller de, de, de fond en comble, tu, tu, veux, tu veux venir avec et, et donc le surlendemain, blathi ben, <laughs> pas qu'on qu retourne au Girol à cet endroit-là euh, avec ma mère et, et, et son copain. Et, et là, on a fait quelques kilos sur la journée. Hein. Alors, toujours dans cette forêt, hein, donc à mon avis, avec mon oncle, on, on est passé à travers la forêt et on n'a pas eu la chance de tomber euh, sur toutes ces magnifiques tâches. Mais euh, ce qu'on a fait là, je ne sais plus combien on avait de kilos, c'est indécent, quoi, je ne vais pas vous le dire. Euh, <laughs> c'est un, un truc de malade, mais, mais quelle forêt. Quoi. Donc je pense qu'on en a profité comme ça je sais pas, deux, deux, trois fois où on a vraiment fait des excellentes excellentes récoltes et puis bon ils ont commencé à couper tout partout et, et, et là ça vaut même plus la peine d'y aller euh, voilà quoi, il y a presque plus de forêt ils ont installé des campings et tout le bazar enfin bref euh, <laughs> voilà quoi, encore une place trouvée de manière totalement fortuite la quatrième anecdote concerne la quatrième grosse place et illustre le quatrième conseil que je vous ai donné, donner un autre objectif à faire lorsque vous allez au Girol. Là par exemple, nous étions aux fraises des bois, pas des blagues, avec mes parents et mon oncle, toujours mon oncle Bill. On allait aux fraises des bois comme ça et on se promenait le long des chemins aux fraises des bois. Et à un moment donné, mon oncle Bill doit pisser. Et donc il part comme ça un peu à 10 mètres de nous en forêt, il, il va pisser, et évidemment sur quoi il tombe Totalement incroyable, une tache de girolle. énorme Voilà, ça c'est généralement la première zone que, que, que je vous montre dans, dans ma vidéo, c'est toujours par là qu'on commence parce que c'est celle qui est, qui est le plus proche de, de, de chez moi et donc on fait le tour comme ça et, et, et voilà. Et ben donc du coup, ben, on a arrêté les fraises des bois, on a été les remettre dans la voiture et, et on a fait à peu près, on n'a pas fait toute la forêt parce que la, la forêt est grande, mais on a marché et marché et on a comme ça trouvé quelques taches de girolles et, et ça forme en fait cette fameuse première place euh, qui à chaque fois me donne à chaque récolte, euh, moi j'ai toujours mon panier rempli avec 2 kg et, 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 et mon coéquipier a, a toujours à peu près la même chose, donc vous voyez ça fait quand même une, une belle place à 4 kilos avec des belles girolles euh, magnifiques ça est vu de manière totalement fortuite, comme ça, on va aux fraises des bois, mon oncle va pisser, et pime place de girole. Voilà, et toi, tu es là, tu essaies de te casser la tête à réfléchir euh, à, pour aller dans tel endroit, pourquoi je vais là, pourquoi je vais là, et lui va pisser, il tombe sur une tâche de girolles Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'était aussi il y a à peu près euh, 30 ans, j'étais tout petit, et, et, et voilà, et depuis, on en ramasse encore. Alors la, la cinquième. Euh, la cinquième grosse tâche à Girold, euh, c'est pas une anecdote. Il hein, n'y a, a rien de fantastique. C'est simplement un tout petit peu de, de réflexion. Mon oncle s'est dit, euh, bah, il euh, y en a là dans ce bois-là. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas dans le bois à côté C'est exactement la même chose. Donc il a été voir dans, dans, dans le bois à côté et puis, bingo, c'était pareil. Donc ça, c'est la, la deuxième place que je vous montre dans, dans, dans ma vidéo. Hein. La forêt vraiment, euh, c'est vraiment la même configuration de, de forêt, la même exposition et tout et tout. Il y a absolument rien qui change et, euh, et Pareil, à chaque fois que je la fais, je remplis mon panier hein, donc de 2 kg. Mon coéquipier fait pareil, donc 2 kg. C'est encore une place à 4 kg. Excellente place. Euh voilà, ben, simplement, vous voyez, il euh, y a une forêt qui donne, il y a la même forêt à côté, il ben, n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Et, et voilà, bingo. Vous voyez, franchement, à, à part la, la, la cinquième euh, et dernière place euh, ben, que mon oncle a trouvé, euh, toutes les autres, c'est purement et simplement du, du, du fruit du hasard. Donc des fois, il faut pas se faire d'énormes réflexions comme ça. Euh, <laughs> voilà, hein. Alors, effectivement, j'ai plein, plein de petites tâches comme ça où, où j'ai réfléchi. Hein, je me suis dit, bon, il faut que j'aille là parce que si, par que ça, parce que, parce que tel, tel ou tel truc, et, et on trouve effectivement des tâches, mais, mais, mais pas des, des énormes tâches. Voilà, les énormes tâches, on les, tou on les trouve toujours de manière hasardeuse. Et, et euh, et alors qu'on ne le voulait pas à la base, euh, vous voyez voilà ben les choses plus ou moins intéressantes à dire dans cette vidéo euh, euh, sont terminées. Hein. J'espère que ça vous a plu et que, que ces conseils euh, ben vous aideront. Hein. Alors, euh, j'ai préféré sortir cette vidéo aujourd'hui plutôt que ma, ma troisième récolte dans, dans mes places habituelles parce que finalement, c'est chaque fois les, les mêmes images, c'est redondant et, et j'ai pas envie que vous finissez par vous emmerder. Je pense que cette vidéo est beaucoup plus intéressante donc, du coup, euh, ben j'ai pas filmé ce matin. Matin, en fait on a été ramassé nos giroles sur nos bonnes places on a à peu près fait 6 7 kg hein, comme à chaque fois euh, les giroles commencent un peu à être sèches euh, parce que bon il, il pleut pas ici mais mais voilà on s'en est bien tiré avec mon coéquipier hein, demain Demain ce que je vais faire en fait c'est ben, qu'on va les prospecter, on va essayer de trouver de, de, de nouvelles places euh, tous les deux. Et ce sera l'objet de ma vidéo suivante qui sortira euh, ben, je pense euh, sans doute demain, hein, le lendemain de celle-ci. Et, euh, et là en fait euh, on va prendre, on va, on, va, on va aller visiter trois zones, hein, trois forêts. La première on va la prendre totalement au hasard, donc on va se trimballer en voiture et dès que je vois quelque chose qui semble bon on va rentrer dedans et, et, et je vous donnerai quelques petits conseils. Hein. Euh, je vous dirai pourquoi est-ce que là il peut y avoir des girolles, pourquoi est-ce que là il ne peut pas y en avoir. Enfin des, des petits trucs sympas comme ça qui, qui, qui pourraient vous aider. La deuxième forêt qu'on va aller visiter, c'est notre meilleur euh, spot à trompette de la mort, notre meilleure forêt à trompette de la mort. Hein, celle que je vous ai montrée l'année passée euh, dans mes vidéos. Alors euh, je vous expliquerai demain euh, pourquoi est-ce que je pense qu'il pourrait y avoir des girolles pruneuses à cet endroit. Verrez bien, ça, ça va être également sympathique. La troisième forêt qu'on va aller visiter, hein, ben c'est une forêt euh, par laquelle je suis déjà passé en allant au mori alors c'était pas vraiment les arbres à mori mais mais, mais, mais c'était les bons arbres pour les giroles. Donc j'ai toujours voulu, ça fait quelques années que j'ai noté cet emplacement sous mon GPS, et j'ai jamais le temps d'aller la faire en prospection, et ben, c'est le bon moment d'aller voir un peu ce qui s'y passe au moment des giroles pruneuses, puisqu'elles sont là un peu partout. Et, et donc on verra bien, hein. donc vraiment une vidéo où je vous donnerai un maximum de conseils pour que vous dégoûtez euh, des girolles Allez, bah écoutez, je pense que celle-ci est déjà assez longue, moi je vais rentrer chez moi, je vous souhaite à tous euh, de très bonnes récoltes, et à la prochaine, plutôt à demain, allez, ciao